Dans ce tuto, les bons gestes d'un transfert de chaise à chaise avec un patient qui n'a pas d'autonomie. Pour éviter de faire un portage trop haut, je vais escamoter l'accoudoir. Jamel doit prendre une position bien au centre du trajet, bien flex sur les jambes. Vas-y, positionne-toi derrière le patient. Lors du transfert, madame, est-ce que vous êtes capable de bien serrer les épaules? Ok. À mon tour, moi, je vais venir me positionner devant le patient. Et comme pour tout type de transfert, je vais être vigilant sur la flexion de mes jambes, le dos droit et me rapprocher toujours le plus possible du poids à porter. Tu me dis quand tu es prêt. Je suis prêt. Prêt pour lever. Lever. Pour garantir la sécurité du patient, je tiens les épaules pendant que mon collègue remet le dossier.